Bonjour Internet, j'avais envie de vous donner vite fait quelques concepts de base en épistémologie. Alors, l'épistémologie, tout d'abord, je le rappelle, c'est l'étude de la... Je vais vous faire un cours d'épistémologie, vous voyez. L'épistémologie, c'est l'histoire des sciences. Non, pas vraiment. L'épistémologie, c'est l'étude de la façon, de la méthode avec laquelle on produit des connaissances. Et pas juste de la science, hein, vraiment des connaissances. C'est-à-dire comment on a trouvé des réponses, peu importe à quel point elles sont vraies ou fausses, à tous les pourquoi qu'on s'est posés. Et de nouveau, ça n'étudie pas les réponses, ça étudie comment on produit ces réponses. Les processus, les méthodes. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si on étudiait juste le développement d'un calcul en mathématiques et pas la solution. Bah, l'épistémologie, elle étudie comment on en vient à structurer la croyance biblique, tout comme la façon dont on a vérifié la relativité générale, la cancérologie, l'histoire, la philosophie, la sociologie, etc., etc. C'est donc une discipline transdisciplinaire, donc qui implique plusieurs disciplines, qui va allier philosophie et histoire, et bien évidemment une expertise aussi approfondie que possible de chaque domaine qu'elle va étudier, sans que ce soit pour autant exclusivement des sciences, même si c'est évidemment ce sujet qui occupe la plus grande place dans l'épistémologie moderne. Au point qu'on puisse d'ailleurs raisonnablement supposer que quand on parle d'épistémologie, généralement on parle d'épistémologie des sciences. Dans la vie, on fait beaucoup de déductions, et on utilise le mot déduction pour dire des choses en réalité très différentes. Dans une réflexion, quelle qu'elle soit, le goal va toujours être d'éclaircir trois gros morceaux qui vont s'articuler l'un par rapport à l'autre pour former une pensée équilibrée. Il y a tout d'abord le contexte, la base. Ça peut être une loi physique, une conviction, un axiome, un postulat, bref, ça va être une sorte de règle que je vais appeler le socle et qui va concerner les deux autres morceaux. Je viendrai avec des exemples après, vous inquiétez pas. Ensuite, on a le corps de ce qui nous préoccupe. Ça va être le sujet qu'on étudie, l'objet qu'on analyse, le cas auquel on s'attaque, enfin la cause. Et puis enfin, il y a la conséquence, il y a le résultat, le produit, bref, il y a la couronne de cette statue. On a donc une cause, une conséquence, et une règle qui les articule l'un par rapport à l'autre, qui les soutient. Et donc, l'épistémologie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde comment on procède quand il y a un mystère, quand on n'a pas la statue en entier, mais qu'on a uniquement une ou deux de ses parties, et qu'on essaie de deviner à quoi ressemble la partie manquante. Et donc, selon ce qu'on connaît, que ce soit le socle, le corps ou la couronne, on va parler de déduction, d'induction ou d'abduction. Rien à voir avec ce que les aliens font quand on dort la nuit. Petit exemple pour bien comprendre. Dans le cas d'une déduction, on connaît le socle et le corps, et on va déduire la couronne. Si mon socle, par exemple, c'est « tous les zététiciens aiment la science », et que mon corps, c'est « cette personne est un zététicien », la déduction, la couronne, ça va être « cette personne aime la science ». Et ça, c'est un niveau de preuve relativement élevé, parce que si le socle et le corps sont vrais, alors on peut supposer que la couronne est très 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 probablement vraie. Mais il faut y ajouter quand même un peu de prudence, parce que les absolus, c'est extrêmement rare. Moi, personnellement, à part les maths et les constantes cosmologiques, j'en connais pas. Et donc dire « tous les zététiciens aiment la science », c'est forcément faux, parce qu'il est tout à fait possible, bien que très improbable, qu'un zététicien soit passionné par la zététique, mais déteste absolument toutes les sciences. On pourrait bien le rencontrer, celui-là. Mais il existe peut-être. Bon, ici c'est un exemple grossier, mais vous imaginez bien qu'il y a des cas dans lesquels ce genre de petite nuance prend énormément d'importance. Donc, petite prudence, on dit souvent un peu trop vite que la déduction est forcément vraie si son socle et son corps le sont. En fait, il y a presque toujours une part de probabilité à expliciter dans le socle et à conserver jusque la couronne. Sans oublier que si l'un de ceux-là se révèle être faux, à ce moment-là, on va parler de problèmes ontologiques ou de problèmes législatifs, mais c'est un autre débat, on ne va pas rentrer là-dedans. Maintenant, on va passer à l'induction. Alors l'induction, on connaît le corps et la couronne, et puis on va induire le socle. Donc, par exemple, si mon corps, c'est « cette personne est un zététicien » et que ma couronne, c'est « cette personne aime la science », s'il s'avère que c'est généralisable, alors on peut induire la règle, le socle, tous les zététiciens aiment la science. Et ça, du coup, c'est un niveau de preuve beaucoup moins élevé. Le socle est probable, car il a été vérifié vrai dans au moins un cas, et il va falloir répéter ce cas le plus souvent possible pour s'assurer de la solidité du socle. Donc la robustesse de ce socle est directement dépendante du nombre de fois où il aura été démontré capable de supporter le corps et la couronne. Maintenant, on va passer à l'abduction. Alors dans le cas de l'abduction, on connaît le socle et la couronne, et on va abduire le corps. Donc par exemple, si mon socle c'est « tous les zététiciens aiment la science » et que je connais la couronne « cette personne aime la science », je peux faire une abduction du corps,
cette personne est un zététicien. Et ça, c'est vraiment le niveau de preuve le moins élevé. Parce qu'ici, on peut répéter la situation 1000 fois, mais ça ne changera rien. Ça va rester une hypothèse. Le corps va rester une hypothèse. Et donc, il va falloir mettre à l'épreuve cette abduction, principalement en la comparant avec d'autres statues, hein, en fait de 3 pièces, qui contiennent des éléments communs, pour savoir si elle est valable ou pas, et dans quelle proportion. En gros, pour vérifier une abduction, il faut y appliquer la méthode scientifique. Mais alors attention, parce qu'il y a 2 sens au mot abduction. Ici, le sens que je lui ai donné, c'est le sens mécanique du terme. On abduit que si une personne aime la science, c'est un zététicien. Or, le socle « tous les zététiciens aiment la science » est très insuffisant pour pouvoir dire que l'abduction la plus probable est que cette personne est un zététicien. Et donc, avec le temps, le mot « abduction » a pris un autre sens. Toujours pas celui des aliens qui enlèvent les gens la nuit. C'est celui d'identifier l'hypothèse la plus probable. Dans un sens bayésien, ouais, c'est très bien. Si vous avez pensé à ça, c'est que vous suivez un peu... Alors si vous savez pas ce qu'est le raisonnement bayésien, jetez un coup d'œil aux fiches et à la description. Surtout si vous faites partie de ceux qui pensent que les zététiciens rejettent tout ce qui n'est pas officiel a priori, ce qui est la méprise la plus courante sur la pratique de la zététique. Je vais quand même tenter de vous l'expliquer en 2 mots. Le raisonnement bayésien, c'est justement ne rejeter aucune hypothèse, et en avoir donc une infinité. Mais on va les classer par ordre de probabilité, selon le raisonnement du rasoir d'Occam. C'est-à-dire, est plus probable ce qui soulève le moins de questions supplémentaires. Et donc on va placer dans notre liste celle qui est la plus probable en premier lieu, dans le but non pas d'y croire, ou de dire que c'est ça la vérité, mais bien dans le but de la mettre à l'épreuve. Et ce n'est que si elle échoue qu'on l'exclura pour passer à la seconde plus probable, etc., etc. Et voilà, entre autres, pourquoi il est non seulement inévitable, mais en plus sain, que les zététiciens se trompent régulièrement et doivent corriger leurs propos. Mais soit. Donc un type d'abduction au sens moderne du terme que vous connaissez tous très très bien, c'est par exemple un diagnostic médical. On vient avec un symptôme, la couronne, la conséquence. Le médecin pense à une règle, un socle, ceux qui ont telle maladie ont tel symptôme. Il en abduit le corps qui est ce patient a telle maladie. Pour vérifier ça, il fait appel à une autre statue dont la règle sera ceux qui ont telle maladie guérissent grâce à tel traitement. Alors, c'est bien sûr pas une méthode infaillible, parce qu'il est possible de guérir par d'autres moyens, notamment la fameuse guérison spontanée du corps et ou les effets contextuels dont fait partie le placebo. On va pas refaire ce débat. Vous avez toute la playlist homéopathie si jamais vous avez envie de vous le refaire. Mais cette méthode est en tout cas globalement suffisante et efficace pour satisfaire tout le monde, le patient, le médecin. Mais satisfaire son patient, c'est pas obligatoirement résoudre son problème. Et ça, c'est un autre débat, mais qu'on va pas aborder ici, parce que je voudrais... Alors bien entendu, une réflexion complexe, elle va mélanger ces 3 inférences, ces 3 façons de sauter d'une partie de la statue à l'autre. Je vous donne un exemple très 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 basique. J'ai une sensation de faim. En réfléchissant, j'induis que c'est peut-être parce que j'ai pas mangé depuis plusieurs heures. J'induis alors que si je ne mange pas pendant plusieurs heures, je vais avoir faim. Mais si je me retrouve dans une situation où je risque de ne pas manger pendant plusieurs heures, je peux déduire que je vais avoir faim. Et donc, je vais me préparer un casse-croûte à l'avance. Je sais aussi que si je ressens la faim, alors je peux abduire que c'est parce que j'ai pas mangé depuis plusieurs heures. Ping, pang, ping, pang, pong. Ces 3 trucs que généralement on appelle des déductions, en fait, c'est 3 termes différents. Donc, comme je le disais, l'épistémologie, elle étudie comment on produit de la connaissance. Il y a donc un lien de filiation direct entre la bonne maîtrise, en tout cas la bonne compréhension de l'épistémologie, et la qualité de la connaissance qu'on va produire. Je précise quand même que l'épistémologie, on peut soit l'apprendre, soit en avoir acquis les grands principes parce qu'on les a compris à force de lire de la science. C'est la raison pour laquelle les cours d'épistémologie ne sont pas obligatoires partout. Ce qui est quand même un gros problème, mais bon, ça, on en a déjà parlé dans les autres vidéos. Mais en tout cas, une chose me paraît très très claire. Si on apprend l'épistémologie et qu'on la comprend mal, alors on produira de la mauvaise connaissance. Donc je ne dis pas que si on n'a pas appris l'épistémologie, on produit de la mauvaise connaissance, ok? C'est pas ça que je dis. Je dis que si on l'apprend et qu'on la comprend mal, alors il y a de fortes chances pour qu'on produise de la mauvaise connaissance. Dans ce cas-là, mon socle, ce serait un mauvais apprentissage de l'épistémologie a pour conséquence de produire de la mauvaise connaissance. Dans le corps, je trouverais « cet homme comprend mal l'épistémologie », couronne « cet homme produit de la mauvaise connaissance ». Je vous laisse à présent réfléchir à cette séquence. Alors comment on approche la science? Quelles sont les choses qui permettent la découverte? Il y a trois manières de le faire. Il y a un terme qui n'est pas très employé en France, mais qui est un point très important, c'est l'abduction. C'est-à-dire que c'est la découverte par hasard. Mais la découverte par hasard, elle n'est pas entièrement faite par hasard. C'est ce que j'appelle, il y a les bons pêcheurs et les mauvais pêcheurs. Donc il y a les gens, Pasteur disait ça autrement, la chance sourit à ceux qui sont préparés. C'est-à-dire que
Il faut préparer son intellectuel, son intellect à être capable de découvrir des choses. Donc c'est un élément très important, c'est comment on découvre, et nous on a toute une stratégie, des nouveaux outils, puisqu'on a des nouveaux outils, on va voir des choses que les autres n'ont pas vues, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc on... Et d'aller pêcher complètement à l'inverse de ce que tout le monde pense. Alors ça, c'est une bonne manière de faire, c'est plus hasardeux. Après, ça irrite les gens qu'on dise, écoutez, puisque vous dites ça et que tout le monde est d'accord, on va aller faire l'inverse pour voir si c'est finalement... Puisque plus personne regarde, quand il y a un consensus sur quelque chose, plus personne ne regarde l'inverse. Donc ça vaut le coup d'aller regarder l'inverse, parce que ça, là, il y a beaucoup à trouver, puisqu'il n'y a plus personne qui cherche. Voilà, ça, c'est l'abduction. L'induction, c'est j'ai une hypothèse, et cette hypothèse, je mets en place les outils qui me permettent de confirmer cette hypothèse. C'est beaucoup... La physiopathologie, par exemple, l'analyse du métabolisme a été basée sur de la recherche qui est de l'induction. Et la déduction, c'est de la corrélation entre données. Vous voyez, donc je vois ça, je vois ça, je vois ça, tout ça est corrélé, et donc je déduis que c'est ça qui fait ça. Voilà. C'est les trois modes de pensée de la création scientifique. Donc, voilà, le professeur Didier Raoult, qui n'a aucune expertise en épistémologie, n'a ni diplôme ni formation, exactement comme moi, nous montre que quand il donne un cours sur la discipline qui est censée poser les bases de sa méthode, eh ben en fait, il la comprend très très mal. N'hésitez pas à vérifier qui de moi ou de Raoult a le mieux défini les bases que représentent la déduction, l'abduction et l'induction. On y reviendra dans très peu de temps. Parce que là, vous avez quand même un véritable outil qui peut vous permettre de comprendre ce qu'on lui reproche depuis le début. Il enferme un peu les gens qui apprennent ces choses dans un jeu dont il réécrit lui-même les règles. Et ça, c'est pas du tout bon signe, parce que ça ne peut que convertir tous ceux qui ont appris par lui en adeptes. Qu'on le veuille ou non, c'est une forme de manipulation, que ce soit conscient ou inconscient. On va essayer de comprendre ce que je veux dire avec un autre exemple, que j'avais expliqué dans une vidéo précédente. Si vous apprenez ce qu'est la vaccination, que vous n'en saviez rien avant, via un médecin qui est anti-vax, il y a fort à parier que vous serez aussi anti-vax. Alors que si vous aviez appris ce qu'est la vaccination via un médecin qui est pro-vax, il y a fort à parier que vous seriez vous aussi pro-vax. Alors je vais vite revenir sur un autre exemple frappant de la conférence de Didier Raoult sur l'épistémologie. C'est vraiment, il le présente comme ça, il donne un cours d'épistémologie, il donne un cours de méthode pour produire de la connaissance, ce qui est une vidéo extrêmement importante pour comprendre comment il fonctionne. Raoult présente à un moment donné Popper, Kuhn et Feyerabend comme des échelons de l'épistémologie, en plaçant Feyerabend au sommet. Feyerabend, c'est quelqu'un qui était contre la méthode, qui était pour une science anarchique. On en a parlé dans les vidéos précédentes. Mais Raoult présente ça comme s'il s'était successivement remplacé. Un peu comme Einstein qui a remplacé la physique newtonienne, même si on l'utilise encore pour d'autres raisons, enfin bon, bref. Mais ça, c'est encore une invention complète de sa part. Ne me dites pas que c'est pas ce qu'il a dit, parce que mettez-vous dans la peau d'un néophyte et regardez bien ce passage. Ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est comment la connaissance évolue. Karl Popper dit, en réalité, à chaque fois qu'on a un outil nouveau, on voit une partie du monde qui est différente, et donc parce qu'on voit une partie du monde qui est différente, on est bien obligé de changer la théorie qui était basée sur les outils précédents. Ensuite, il y a eu Thomas Kuhn, qui est arrivé un peu plus tard, et qui a dit « le truc de Popper est vrai, mais pas entièrement ». Le troisième, qui est à la fin du XXe siècle, c'est Paul Feyerabend. Et lui dit, en réalité, le pire de tout, c'est la méthode. Ça, c'est une vraie révolution. Donc, en réalité, la conclusion de Paul Feyerabend, c'est dans la science, tout est bon. Tout est intéressant. C'est pratiquement impossible de déduire autre chose. Feyerabend est présenté comme le sommet d'une pyramide. Alors, si le sujet vous intéresse vraiment, si c'est pas parce que ça vient de Didier Raoult que ça vous intéresse, mais parce que l'épistémologie vous intéresse vraiment, si la méthode scientifique vous intéresse vraiment, eh ben, je vous recommande l'indispensable lecture de ce livre qui pose les bases en lieu et place de l'introduction abusivement orientée et déformée du professeur Raoult. Je sais même pas s'il s'en rend compte. De nouveau, mon combat, c'est pas de dire que l'hydroxychloroquine fonctionne ou ne fonctionne pas, c'est pas de dire que Raoult est un gentil ou un méchant. Le but de la zététique, c'est simplement de montrer qu'un propos est fondé sur quelque chose de trop fragile,
que pour avoir l'assurance avec laquelle il est prononcé. Mais bien sûr que ça s'applique aux zététiciens. Ouais, on n'a jamais dit qu'on était des extraterrestres qui venaient de la planète parfaite, hein. Bien au contraire, le zététicien est encore plus sujet à ces pièges parce qu'il est persuadé lui-même qu'il a, qu'il est un peu plus méfiant que les autres. Bon alors, j'avais prévu de vous faire une vidéo beaucoup plus copieuse que ça parce que j'ai des notes en pagaille concernant l'actu, mais franchement, la vidéo, elle va faire 2 heures. Donc je préfère scinder le contenu que j'ai en plusieurs vidéos, d'autant que j'ai pas des masses de temps pour tout faire. Ce qui ne peut être qu'un avantage parce que beaucoup de notes concernent des travaux très récemment publiés, notamment sur la dexamethasone, qui est une molécule pas chère, qui a démontré une belle efficacité dans l'essai Recovery, et qui devrait quand même se faire poser des questions à tous ceux qui critiquaient l'étude Recovery parce qu'elle a abandonné l'hydroxychloroquine. Posez-vous la question. Si Recovery a abandonné l'hydroxychloroquine parce qu'il ne voyait pas d'efficacité, comment se fait-il qu'ils en voient une, avec les mêmes protocoles, dans la dexamethasone? Si c'était une question de corruption, comme on l'a souvent entendu pour vendre un médoc bien cher, pourquoi cette molécule, dexamethasone, peu chère également, est-elle mise en avant? Pourquoi Sanofi eux-mêmes déconseillent l'hydroxychloroquine dans le cadre de la Covid-19 alors que Raoul leur a fait une pub royale et qu'ils en vendent comme jamais? À un moment, il faut essayer d'accueillir les arguments qui peuvent mettre à mal les fondements de notre pensée. C'est pas agréable. Ça oblige des fois à s'excuser publiquement. Oui, il y a de la corruption. Oui, le monde est régi par l'argent. Mais il y a aussi une quantité extraordinaire de gens qui veulent juste bien faire leur boulot. Je dirais même que c'est une majorité. Et ça, très souvent, pour qu'une hypothèse de complot tienne debout, en fait, elle doit passer sous silence leur existence à tous ces gens qui veulent juste bien faire leur boulot. Ils sont où les témoins de médecins qui diraient « J'ai été approché par tel et tel organisme pour me tenter de me corrompre, mais j'ai refusé et maintenant je témoigne devant vous. » Ils sont où? Ils s'en ficheraient de trouver un remède pour les gens qu'ils aiment? Pour leurs collègues? Vous savez combien de médecins ont été exposés à la Covid? Il n'y en aurait pas un qui a moufeté à son coiffeur tout le complot? Pensez-y. Au lieu de sauter de justification en justification qui permet de maintenir votre conviction. Accueillez les arguments qui mettent un petit peu à mal les piliers de votre pensée. Bon, là, comme je le disais, on en reparle en détail bientôt de ça et de plein d'autres trucs. Mais comme j'ai très très peu de temps de travail, je suis désolé en ce moment, je suis vraiment incapable de faire autre chose que des petits points un peu express. Je voulais au moins vous donner ce petit debunk des bêtises qu'a dit Raoult sur les bases de l'épistémologie. Ce qui devrait au moins, mais vraiment au moins, vous inviter à vérifier tout ça si vous êtes totalement acquis à la cause de Raoult, à moins que votre cas ne soit vraiment désespéré. En fait, je crois même que vous pouvez savoir à quel point vous êtes un adepte qui boit aveuglément les paroles de Raoult, simplement en mesurant votre envie de vérifier ce que je viens de dire sur l'épistémologie. Si vous n'avez pas envie de vérifier, c'est pas bon signe. Allez, je sais que je suis agaçant avec ma façon de parler, machin, etc. Mais c'est vraiment, vraiment pour que vous preniez soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne.